Oh, trop bien! Oh non, pas trop bien! Oh putain, non, pas trop bien! Oh putain, mon dieu, j'ai une armée de squelettes à mon cul! Oh trop délire! Bien sûr, après, je le précise, mais t'as le droit de le faire. Silver Peach! J'ai pas envie que tu... Dans la saison 2, ils se sont amusés avec des potions de résistance au feu, mon gars. De force 2. Ça me fait bien. Les gens, je suis sûr qu'ils doivent se demander ce que je fais, mon gars, en mode... Qu'est-ce qu'il nous fait, Tina? Vous savez ce que je fais? Je creuse la tombe d'Alem. Tu verras quand tu reviendras la saison. Au moins que tu viens voir à ma base directement. Je l'arrive où? C'est une mauvaise idée. Oh mais quel culot le mec. Oh, vous savez pas ce qu'il vient de me dire. Oh, moi tu m'aurais tué au moins une fois dans le F quoi. <T'sais> quoi. Ah, MDR. On verra ça, t'inquiète. On en reparlera dans quelques jours. MDR mon gars. Eh mon gars, j'enchantais ce faire, mon gars. Eh mon gars, j'enchantais ce faire comme il faut, tiens, en cherchant les petits textes là avec le numéro 1 parce que j'ai que 1. Et je me suis fait un full fer, full protection projectile 1. non, pas ça. Ouais, donc c'était là. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Et donc ici, il y avait un bloc. Ici un bloc, ici un bloc, ici ça venait comme ça, ça venait directement là, on use pas de pierre, et ici. Donc maintenant normalement si on fait ça, pour classe, il y a trop de style dans notre salle des coffres. Salut, ça va? Ah, il dirait qu'un arc, il est nul. Je te donne mon stuff, je te pas besoin. C'est de la merde. Bien, salut à tous et à toutes, c'est Tina, CDF, de retour pour une nouvelle vidéo. Je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 11 de notre saison 4, Fallen Kingdom. Non, c'est pas l'épisode, c'est le jour, mais bon, c'est pas grave. Saison 4 de Fallen Kingdom, j'espère que vous serez mal dans la situation. On se retrouve donc dans ma salle des coffres.
Et on va aller faire ça. Parce que si on fait pas, eh ben je pourrais pas faire... Ah oui, ça, d'ailleurs. Je suis bientôt arrivé au bout. On va pouvoir en faire un de plus. Bon, attendez, on va faire ça sur plus vite. Hop. La table de craft, génial. Hop, toujours en compagnie de Alem. Hein. Plus besoin de le dire, de toute façon. Toujours la même chose. Il est pas très intéressant, ce mec. Alors. Bon. Je pensais aller par là, moi, personnellement. Voilà, clairement, je pensais aller par là, parce que j'avais envie. Et je sais pas. Alors. Je sais pas exactement jusque où je vais aller. Parce que forcément, j'ai pas de quoi savoir où je suis. J'aimerais bien savoir, mais je ne sais pas. Donc, oh. Cool. Ah, génial. Alors, attendez, déjà, on va éclairer pour que vous voyez clair. Tant qu'à faire. Creeper! Ta mère. Creeper. C'est exactement ce que j'allais dire. Je viens de croiser un gentil creeper qui m'a explosé à la figure, à la main. Il est gentil, hein. Mais grâce à mon armure en diams, full protection 4, j'ai réussi à y échapper. Bon, je récupère ça. Alem, t'es là? He's dead. Alors, vous devinerez jamais... Vous devinerez jamais ce que Alem m'a demandé 30 secondes avant que l'épisode commence. Le jeune homme voulait faire une pause pour trouver des poutres de creeper, donc une pause no PVP. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a peur de moi. C'est ce que j'en ai déduit en fait. Oh, ça c'est qu'une... C'était fait exprès. Ma mort était fait exprès. En même temps, je m'étais stuffé seul spécialement pour mourir. C'était pour aller activer le viseur. Mais t'inquiète pas. Je t'aurai un jour. Je t'aurai. Comme le directeur, la maf. C'est la maf. Oh, le placement de produit. Ah, on s'engouffre dans un gouffre. C'était nul. Ouais, encore un. Encore un chemin par là. Encore un creeper? Qu'est-ce qu'il y a, un creeper? Eh, hey, poutre de canon, bâtard. Et sa grosse tête, elle est sérieuse? Il m'a pas donné de poutre de canon? Alem? Oh, si c'est ce que je pense. Oh, génial. Hop, on va en refaire 48, ça pourrait me servir. Oh là là! Double! Qu'est-ce que moi je suis un dingue? Alors je sais pas si vous voyez clair parce que YouTube a sombré les vidéos, mais une double, moi ça me fait plaisir. C'est génial. Je suis amplement satisfait de l'endroit où je suis. Clairement. Ah ouais, par contre, il y a juste un truc qui pourrait être plus intéressant pour moi autant que pour toi. C'est que dans Redcraft, j'ai enlevé les pseudos et forcément, ils s'enlèvent dans toutes les séries. Donc, voilà. Juste ça, en fait. Du coup, on voit pas mon pseudo. Bah, on voit pas le pseudo. On verra pas le pseudo Alem, si jamais... Donc, on est tranquille, on peut éliminer, Pénard ou alors s'approcher de sa base. Il le saura pas. C'est juste le petit truc que je souligne. Pour l'aventure d'enfer, j'essaie de le remettre, mais bon, c'est pas évident, quoi. Faut que j'y pense. Colotte. Hop, on est par là. Alors moi, personnellement, je vois clair dans les mines, mais vous, j'ai déjà visionné une de mes vidéos où vous voyez que dalle, nada. Donc, j'éclaire quand je peux, sinon je n'éclaire pas. Tant qu'à faire. Alors...
Mini zombar, mini zombie, mini zombie bâtard. Et il fait mal en plus. J'ai voulu faire. Voilà. Bon. On va dire que c'est potable. Alors... Qu'est-ce qui t'arrive? Explique à ton Tina. Et il triche. Parce que moi j'ai oublié de commenter pour pas vous emmerder dans la vidéo et lui il commente pas. Bon, il triche. La triche. Voilà. Avec l'intensité de lumière, je vois mal. On doit pas être loin de la hauteur maximum. On pourra remonter éventuellement par là, pourquoi pas. Alors. Par contre, ouais, je vais éloigner mon téléphone de ça parce que sinon ça va faire du bruit au niveau de du gameplay. Alors, est-ce que c'est normal qu'il y a ça là? Je sais pas, mais pareil pour ça. C'est vraiment qu'on doit pas être loin. Oh, on est vraiment pas loin, effectivement. Alors. Alors, on est où? Expliquez-moi. Moi, je ne vois pas où on est. Hein. D'accord. Tu penses faire mieux, alors fais mieux. Vraiment, c'est pas genre, enfin, un concurrent sérieux. Sérieux. Alors, bon. Ça a l'air d'aller. Oh, c'est cool. Oula. Bon. Ça a l'air potable. Putain. Qu'est-ce que tu fais chez toi, là? Ouais. Alors, attendez. Merde. Ah ouais, putain, il m'emmerde avec ce truc-là. Eh. Voilà. Vous le voyez, il est là. Regardez, vous le voyez, là. Hein, toi aussi, apparemment, visiblement, tu es fou le faire. Mais qu'est-ce que tu t'amuses à faire, là-bas? On peut savoir? Bon. Tu fais rien. Mm-hmm. Oh, mon âme, il a cramé! Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'avais fini ma muraille. La muraille a une hauteur délimitée, je m'en souviens pas. Je crois pas.
Ouais, c'est la hauteur qu'on veut. Ouais, donc c'est la hauteur qu'on veut, magnifique. Alors par contre, j'ai pas trouvé ce que je voulais trouver. C'est dommage. Mais je vais déjà les mettre ça cuire. Ce sera déjà une bonne chose. Et on va repartir par où on partait, sauf qu'on va aller de l'autre sens. Hop là. Alors. On met ça là avec ça. On va prendre quand même 25 au cas où. Ça là. Ça. On va mettre là. 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 Et voilà. Et puis je me casse. Alors. Oula. J'aime pas quand il me regarde, ce bâtard. Faut que je fasse gaffe, il y a des endroits où il peut se taper ce bâtard. Ouais. J'ai trouvé ce que je voulais trouver en plus. Génial. Oh, il y en a plein en plus. Oh! Il m'a regardé en mode coucou. Ouais, que de la merde ici. Et je suis... Ah, c'est dommage, il n'y a plus de livres dans les spawners. Hein? Ouais. Mais avant, ils donnaient des livres dans les spawners. C'est dommage, maintenant, ils en donnent plus. Là, j'ai pas l'impression qu'ils en donnent, en fait. Parce que ça fait déjà le cinquième spawner que je trouve, et toujours pas de... Une gros beau. Ah, tu verras bien quand tu regarderas la saison. Écoute. C'est pas un secret, maintenant. Une gros beau, MDR. J'ai l'impression de le choquer, là. Je sais pas pourquoi. Je le choque sans le choquer parce qu'il me croit pas. MDR. Bref. On va peut-être... On va continuer. 15. Hop. On met une tour ici. Oh génial, encore c'est ce que je veux, nickel. Il n'y en aura pas qu'un quand même. C'est pas possible. Il n'y en a qu'un.
Hein, dans le cas. C'est nul. C'est quand que les enchantes ils vont être faits? What? T'arrêtes de vouloir dormir, toi? Alors, tu sais, toi tu m'emmerdes. Toi, tu m'emmerderas plus. Je serai tranquille. Bon, tu t'estompes. Posez-moi un peu ma torche, je te la pèterai plus. C'est quand que les enchantes ils vont se faire avec du lapis, au fait? Ah. Les deux prochaines mises à jour vont être intéressantes. C'est quand les deux prochaines mises à jour? Il faudrait que c'est en même temps. 17. Bon, de la redstone, j'en ai pas besoin. Du lapis. C'est tout. C'est de là où je viens, ça. On va remonter. On va le mettre ça à cuire, encore une fois. L'été dernier, viens de vous, là, nous. On va être plus haut encore. Hop. Voilà. 2, 3, hop, hop. Alors. J'espère que ma queue, que. Plus jamais une blague comme ça, c'était nul. Merde. Et tu me crois, j'ai fait un escalier, je me suis perdu, je sais même plus où il est. Il parle quand même. Si, il parle. Là-bas, j'ai même pas été visité, je vais aller voir tout de suite. Ils sont pédés, hein. Ils sont amoureux de toi, tes amis, quoi. Oh, le mec. Le mec, c'est pire que moi, il reçoit des messages tous les 5 secondes, quoi. Pff, chaud. MDR. T'es populaire comme ça. Bien sûr. C'est normal, c'est grâce à moi, voyons. T'es passé dans une des célèbres saisons FK de Tina CDF. Où malheureusement, il va te blatter à plat de couture. Triste. Mais faut voir la dure réalité des choses, Alem. T'es trop petit, trop jeune pour me battre. Mon pauvre petit. Tina t'apprendra quand il aura le temps. Tina t'apprendra quand il aura le temps. Et j'ai une idée. J'ai une idée qui pourrait marcher. Qui pourrait même très bien marcher. Vous croyez? Alors attendez. Il va être l'heure d'arrêter, donc on va faire ça dans le prochain épisode. Et c'est une idée qui pourrait très bien marcher. Je vous expliquerai tout ça dans le prochain épisode. Je vais notamment arrêter là. Non, n'importe quoi. Hop. Et voilà. Donc, en espérant que cet épisode numéro 11 de notre saison 4 de Fallen Kingdom vous aura plu. Si jamais il vous a plu, petit pouce vert, éventuellement, petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit partage si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis, sur ce, on va vous laisser. Pour continuer à tourner d'autres épisodes éventuellement. En espérant que tout ça vous aura plu. Et puis sur ça, on se retrouve la prochaine fois pour faire ce que j'ai eu en tête. Donc, c'est-à-dire vendredi. Allez, à la prochaine.